C'est à nous, sur la dessus. Ouais, je pense, ouais. Une comme ça, je pense, ouais. Ouais, putain, bon, il est plus flippé. Je crois que c'était un mec qui s'était réveillé. Par contre, il est sur un truc. Et maintenant. Ils arrivent, les deux. Ah, pardon. Joli. Salut tout le monde, c'est Blackheart, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne et sur Arma 3 pour une nouvelle mission en coop avec la communauté The French Devils. On est sur la carte United Sarani pour une mission préparée par Eralorn. Nous incarnons des Royal Marines dans le contexte, bien évidemment fictif, d'une guerre civile entre le Royaume de Sarani et la République démocratique de Sarani. Nous sommes le 28 mai 1982, donc pendant la guerre des Malouines, le Royaume-Uni a pris la décision de soutenir le Royaume de Sarani qui a des liens avec l'ancienne noblesse et la bourgeoisie britannique. Ça, c'est pour un résumé de la situation de manière grossière. C'est plus complexe que ça, mais ça demanderait une longue intro pour que je puisse tout expliquer. Bref, j'étais en retard, donc j'ai raté le début de la mission, mais pour faire simple, notre unité de Royal Marines a pour première mission de capturer l'île de Ramadi, qui possède un petit aérodrome. Notre unité est composée d'une équipe de commandement, dont je fais partie en tant qu'adjoint slash radio, d'une équipe d'assaut, d'une équipe de support, d'une équipe mortier, et nous avons Harrier en support supplémentaire. Bon, je pense avoir fait le tour, allons-y. Ok, bon, on fait du tout petit pour l'instant. Tant qu'il tire pas trop sur nous, t'as le bout tout petit. Il faut que tu sous la main. Je peux contacter un Kyos. Ah, t'as la même fréquence quoi, parce que ouais. Pas trop tard, la fréquence. Ouais, on a la même fréquence. Ok, demande-lui dans ce cas s'il peut taper au mortier sur la colline 20. Colline 20. 026 939, il doit y avoir un blindé là-dessus. Ah, okay. Vous, il est déjà sur la fréquence ou pas? Ouais, je suppose. Mais je pense qu'il n'y a pas encore décollé. Tu peux peut-être t'occuper de gérer le support ouais. Dans ce cas-là. Ouais, pas de soucis. En gros, il y a un BTR sur la colline 20. Soit Tango si il peut pas, au moins le mortier qui tire dessus. Ouais, ça marche. En fait, il y a pas mal de trucs blindés dans ce quartier-là d'ailleurs. Escadron de R Squadron, à vous. On a un BTR actuellement sur la colline 20. Est-ce que vous pensez pouvoir faire une passe pour le traiter? Let's go. Colline 20, pourriez-vous être plus précis? Je suis sur le porte-éronnage, je vais écouter dès que possible, mais indiquez-moi une position plus précise que vous voulez vous faire. Robert, à vous. Bien reçu, donc actuellement on est sur la colline 23 du côté ouest de la piste. La colline 20 se situe du côté est de la piste. En coordonnées 0, 2, 6, 9, 6, 9, je répète 0, 6, 9, 6, 9. On a un BTR à côté d'un filet de camo qui nous canarde depuis cette position. Donc si vous pouviez faire une passe pour le péter, sinon je demanderai au mortier de le faire. L'autre elle est trop lourde. Merci elle, Samuel. Robert terminé. Le groupe menti qu'il a. Et leur pièce. Au niveau du radar, ouais. Tango décolle, il va faire une passe. J'ai besoin de la MG sur moi rapidement. Tu vois le radar, à droite du radar, t'as un bunker avec MG, tu me lasses pas s'il te plaît. Ok.
Du coup, ça donne quoi pour le BTR Black? Tango est en train de décoller, là, il arrive. Ouais, pas mal de monde là. Il y a encore du monde également sur les collines plus au sud. Je sais pas en vrai si c'est la colline 20, Romain. Ah non, 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 j'ai rien dit. Tu nous donnes une correction. En fait, c'est sur la colline. Le 43. Près 43 du Ouais, en fait, ils sont derrière le village. Le village, on le voit devant. Ouais, d'accord. Ils sont sur la ligne de craie qu'ils ont tout derrière. Ah. Samuel de Robert. Ça complique un peu les choses en fait. Correction pour ce qui nous a ce mat. En fait, on a une position ennemie fortifiée sur la colline 43. À côté de Serrabona, coordonnées 032969, je répète 032969, colline 43. Apparemment, il y a un poste fortifié avec pas mal d'ennemis qui traînent, donc si en vous fait, pouviez faire une passe pour dégager tout ça, tout, à vous, Samuel. C'est entendu le temps de. Ok, Cara, je connais ceci. Je vais aller avec les verts, on va rejoindre. C'est bien reçu, terminé. Laisse nous, tu restes ici toi aussi. Et ouais, demande tant que tu y es, demande également Blackheart, tu vas rester ici aussi, tu coordonneras mieux les trucs je pense. Ouais. Envoie Qs, voit pour désigner toutes les tentes qui sont là-haut et que Qs il commence à balancer des mortiers. On s'assure qu'ici on soit clean et puis après on fera le grand tour pour aller s'occuper de la ligne de crête dans le bon ordre. Ok, reçu. Ces tentes là elles sont sur Pardon ? Elles sont vers où toutes ces tentes là ? Non, c'est toute la ligne de crête qui est au niveau de la Serra Bonnard, hein, je pense. Ouais. Ok. Il y a un petit peu au sud des Orientales, en colline 35, 31. Ouais, je vois. Au pire, tu les prends les équipes, c'est assez puissant. Ouais, ça va. Et Trune, on te bouge. Kyo, tu me reçois ? Oui, je me reçois. T'as de quoi faire du repérage avec des jumelles, tout ou pas ? Plus ou moins. En fait, on a plusieurs. Position ennemie qui sont genre colline 35, 34. Attends, je vais prendre derrière là, en face de notre position ou des ennemis sur les collines. Merde. Robert de Samuel. Merde, balle. D'accord. Non. Putain, merde. Laisse-nous, on s'est fait flanquer, tout le monde est mort. Ok, de mortier, je suis prêt à entendre, désolé, mais les ennemis. Ah, j'ai vu ça, ça séchait tout le groupe, à Stenmaier. Je l'ai tué, mais. Je vais mis le bord, quoi. En tout cas, c'est blessé, mais. Donc, ouais, Q, je te disais qu'on a des ennemis sur tout ce qui est colline 43, 35, etc. C'est vraiment de l'autre côté du village. Et il y a des tentes et compagnie, donc il y a peut-être des hostiles en dessous, mais j'ai pas ce qu'il faut pour t'indiquer des cibles, donc si tu pouvais faire une rapide reco, voir un peu ce que tu pouvais taper. Je sais que Tango va passer avec l'avion, mais si tu pouvais apporter un soutien en plus, ça serait cool. Robert de Sebel, percevez-vous. De mortier, d'accord, je vais regarder, et puis je vais essayer d'envoyer du mortier dessus. Terminé. Oui, j'écoute Samuel. J'ai procédé à deux frappes sur des positions fortifiées dans les collines. Un BTR ou équivalent a été détruit et était sous des filets de camouflage. Il y a d'autres fortins et d'autres tranchées. Je peux essayer des passes roquettes, mais sur votre autorisation, si vous confirmez qu'on n'a pas d'homme à côté. Affirmatif, feu vert pour les passes roquettes. Cependant, pas d'informations sur ce qu'il y a dedans, donc faites attention. Terminé. Il tire pas loin ce truc. De mortier pour radio. Ouais, je t'écoute. La position qui brûle, elle était en quelle coordonnée ? La position qui brûle, elle est sur la colline 40. Oui, si, 43. Colline 43 à côté de Serrabora, tu la vois. D'accord, c'est bon, je vois ça. Mais vu ce que vient mettre l'avion, tu veux vraiment que j'envoie du mortier dessus ?
Bah, il y a toute une ligne de tentes et de fortifications, donc je sais pas si l'avion arrivera à tous les avoir, donc si tu peux balancer un ou deux obus sur les fortifications qui traînent et que l'avion n'a pas touché, ça m'arrangerait. D'accord, bah, je à tour les potes ou pas? Je les ai pas vus rentrer. Robert de Sebel. J'écoute. J'ai c'est terminé parce que truc était bon, mais il me reste que 8 roquettes. Je propose de réarmer si vous n'avez aucun danger immédiat. Pour l'instant, on est ok. On est en train de sécuriser la piste, donc vous pouvez aller vous réarmer sans souci. Je vous appellerai s'il y a quoi que ce soit. Terminé. Bien sûr. Samuel terminé. On n'a pas trouvé le groupe rouge, mais ni leur corps, ni eux vivants. Bah c'est peut-être qu'ils sont pas morts alors. En fait, c'est qu'on va tous... Pardon ? Toute l'équipe s'est fait sécher par un mec qui s'en finit pas. Je sais pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous... Bon, il reste encore du personnel un petit peu dans la... En fait, il y a un petit bunker derrière la tour radio, vous voyez pas, mais il y a encore un mec dedans. C'est à plutôt safe en passant par là, donc on va tous y aller. Et en fait, on fera le grand tour pour passer par l'espèce d'entrée de bunker que vous voyez là-bas. Et ensuite, on montera sur le radar. Et tout ça sans être ruiné parce que... voilà. Il y a encore un mec dans la tour. Parce que là, étage, en fait, on a la plupart des coups qui est très gravement blessé. Et Bal, elle tape. Bah ouais, enfin là, il trouve la crash, je dis pas rien, moi, mais. Vous stabilisez où vous pouvez et puis on va bouger. C'est quoi, c'est le BTR qui vous est mis aussi cher? Non, c'est le mec qui est mis sur la gauche avec les flots. Il parle sans doute, mais il a réussi à continuer. Et Q's et Sherry, ils n'ont pas eu de soucis? Ils ont repoussé l'attaque, ça va. Il y avait 2-3 mecs qui nous ont flanqué apparemment. Mais il est peut-être au courant qu'on va bouger, du coup, s'il veut nous suivre, parce que sinon, ça va être compliqué pour eux. Il va balancer un ou deux obus là sur la colline, je lui dirai de bouger quand il a fini. Ok. Ouais, c'est que les rouges, je sais pas du tout où ils sont, putain, ils tournent, il a choisi le bon pour cracher en vrai. Ah, okay. Et qui t'as perdu sur Ruby? Oui, c'est bien toi. Ah ouais, je te sens. Bah écoute, nous on va bouger avec bleu et vert parce qu'on a paumé rouge, donc on part tous sur la piste pour la sécuriser. Balancer les obus et après essayer de bouger pour pas rester tout seul et nous rejoindre plus ou moins au niveau de la piste, ça va. Ah, la piste est pas safe, hein, y avait pas dessus non plus. Bah oui. Quand je dis au niveau, ça veut dire aux alentours quoi. Ah ouais. Je préviens la surinterprétation. En vrai, ça m'arrangerait pas qu'il soit là et qu'il reste avec Freya et. Ouais, bah non, bah bleu restez ici en fait. Hein. Bleu, vous restez là et puis avec vert, on va bouger. Très mobile. Bah dès que t'es mobile, tu. Enfin. Bon, ouais, c'est parti. Tu peux lui coller une balle. Après, c'est que t'as pas un gros angle, mais écoute. Je vais gérer ça si t'arrives pas, t'acharnes pas, puis je vais avec le rouge. Blackhawk? Ouais. Du coup, bah, ça s'est mal passé le premier assaut, je présume? Ouais. Bah, ça commence par Z, ça finit par U, ça y a S au milieu. Ah ouais? Vous avez attaqué de par où en fait? On est passé par la gauche là, et on a essayé d'aller à la tour radar. Et on s'est fait découper par les issues. Ouais, tu m'étonnes. Bon, la ZSU normalement est traitée. Alors, on va avec lui. Oh, là, les bleus qui avaient besoin de soins, j'espère qu'ils vont pouvoir revenir. Bon. Parce qu'en fait, donc ouais, on avait un BTR sur la colline qui a été traité. Vous avez pu sécuriser ou pas ça? Non. C'est quoi ça? C'est un tribunal? J'en ai bien l'impression. Il y a du monde là-haut sur la colline. Ouais, il y a des mortiers qui passent depuis tout à l'heure là-haut. On est en train de leur bombarder la gueule. Mais en fait, il faudrait qu'on prenne ces positions-là avant de faire tout le tour pour leur arriver dans le dos. Mais bon, j'ai Bleu qui est en PLS parce qu'ils se sont fait flanquer. Il y a les trucs qui arrêtent pas de cracher et vous qui êtes mort. Dans ce cas, ce qu'on va faire. J'ai l'impression qu'il est dans le village en fait. Ça doit être. Tu me reçois? Oui, je reçois. Ça va les tirs de mortier? Il y a un peu d'aventure parce que Des tirs aussi, attends.
Allez, ok. Laisse-nous, quand t'avais tiré sur la DDSU, t'avais eu tout le monde, non? Il y avait deux mecs, ouais. T'as eu les deux? Normalement, oui. Ok. Bon, reste ici. Rouge. Yeah. Normalement, la ZDSU, elle est pétée. Enfin, la ZD23, elle est pétée. Okay. Donc, nous, on va rester là avec Vert et Lesno qui vont recouvrir. Ah, il y a des mecs qui courent au niveau de la tour. Hein. Plein. Des potes. Merci, pour l'instant ça va, je transmettrai si jamais ça a changé. Vous allez, vous en fait, tu vas d'abord sécuriser les mitrailleuses qui est à gauche. Et une fois que c'est fait, fais super gaffe que tu vois. C'est soit tu sens que c'est bon et que tu vas rejoindre la tour de contrôle en passant par les bâtiments qui sont là. Oh, c'est toute une section d'infanterie qui avance au loin derrière la tour. Ouais, vas-y, 130. 132. Ouais, derrière la tour. C'est dans le buisson. C'est un peu loin, je vois pas. Il vient de se coucher. Ah si, je vois qu'il bouge. J'espère que c'est sûr, elle est morte. J'ai eu trop mal. Bah, j'espère que je les ai pas enlevés la mort, sinon. Oh, ça sera pas la première fois. Oui, enfin, la première fois, je leur ai pas non plus demandé de faire tout le tour comme des autotos, quoi. Je leur ai dit, aller sur les hangars. C'est un bon obliqueux, en fait. Et comme on l'avait pas vu non plus avant, on ne peut plus le signaler. Mais je vais envoyer une salle de 3 et puis il attend que moi. Ouais, bien reçu, ça ira comme ça. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Blackheart. Oui. Tu peux aller dire aux autres de venir stopper au bleu, les rejoindre et puis nous dire de nous rejoindre ici. Ok. Je fais le coureur patron. C'est bien, mais... De toute façon, théoriquement, je suis quelque chose. Là, par exemple, à l'ennemi, attention. La carte, il y a je vois. Il y a un hélicoptère, on va le bourrer au besoin. Freya, elle est loin encore ou pas? Ah, ok, j'ai rien dit, c'est bon, on a un bon joueur. C'est à nous sur la ZDSU? Oui, je pense, ouais. Une comme ça, je pense, ouais. Ouais, putain, bon, il est plus flippé. Je crois que c'était un mec qui s'était réveillé. Par contre, il est sur un. Plus maintenant. Ils arrivent, les deux? Ah, par contre. Joli. Deux mortiers, du coup, vous les croirez sur la derrière la colline 23 ou on se rapproche plus de vous? Vous pouvez venir à notre niveau et oui, vous placerez où vous voulez, mais vous serez plus en sécurité ici. Je sais pas trop où vous êtes, mais j'arrive. On est colline 23, on est au nord de la piste à côté d'un grand bunker en béton. D'accord, c'est reçu. Il a quoi comme équipement avec le barrier? Est-ce qu'il a des bombes? Ouais, il a des bombes, ouais. Bombes et roquettes. Ok. J'arrive pas trop à savoir à quel angle ils sont exactement en fait. Tu voudrais shooter sur quoi? Bah, en fait, j'aimerais bien qu'il vitrifie toute la crête là-haut avec tous les bunkers avant qu'il y aille, quoi. Mais non, plein de mettre des tentes, etc. Pareil, ils sont morts, ils ont balancé des objets. Précisément, j'aimerais bien qu'on leur envoie tout ce qu'on a sur la gueule avant d'attaquer.
Pendant ce temps-là, nous en fait on fait le tour par le nord. Laria a déjà fait une première passe, donc je peux leur demander de leur faire une passe et Kyuz va bientôt nous rejoindre ici. Donc plus au sud, plus au sud sur ce secteur-ci. T'as la limite là, t'as des doubles tentes, t'as des bunkers, etc. S'il peut au moins blaster tout ça. Pareil, un peu plus à gauche, t'as également deux tentes, enfin deux filets de camouflage côte à côte. Bah là où il y avait, non, c'est le BTR, je crois. Donc on fait des passes. Ouais, bah je vais leur demander de faire une passe alors. Ouais. Est-ce qu'il sait s'il y a du monde dans toute la plaine sud-est, une espèce de cuvette? Est-ce qu'il a repéré des trucs? Je vais lui demander. Dans ce secteur-là, là. Et s'il y a un BTR, je veux bien qu'il me dise où il est. Samuel Dorbert. Pendant votre survol dans le coin sud-est de l'île, est-ce que vous avez vu quelque chose ou pas du tout? Coin sud-est, bah, hélico. Deux hélicos. Deux hélicos. On se disperse pour les hélicoptères. Freya, tu prépares. T'as deux hélicoptères en vol, Samuel. Ennemi. La carte, tu me dis, stop. Il a pas de canon dans son arrière. Je sais pas. Je veux bien les préparer, d'accord, mais je suis sûr. Lequel? Sur les deux, celui que tu veux, mais les un des deux, ils vont déposer des troupes. Il y a personne là à moi. À ce matin, au reboot, tu me suis pas. Où est-ce que je vais me réfugier auprès du port aéronef? Allez. On va en abattre un. Mais s'il dépose des troupes, peut-être t'accueillir à la sortie s'il te reste des roquettes. Merci Mortier. Au bord. Allez. Si tu peux péter celui de droite, Freya, ce serait nickel. Tant pis. Non, c'est... Voilà. Voilà. Elle est bon, la flèche du mortier là, non? La position mortier est bon. Ouais, elle est pas mal, ouais. Je plus rien. Oh non, mais là, les hélicos, elles sont tombées. Ah, je peux pas monter plus haut. Okay. Non, mais de toute façon, là, les hélicos, ils ont fait leur taf déjà. C'est trop tard. Ils ont dû déposer des mecs. Je suis désolé, c'est effectivement tout nul. Mais c'est quoi, c'est qui buguait? Parce que je voyais vraiment ton missile qui partait pas de temps en couille. J'ai rien compris de ce que j'ai fait, ça te va? Samuel de Robert, tu as avisé que les hélicos ont déjà déposé les troupes, donc ça va, on s'en occupera. J'essaye pas de les abattre. Tu peux tenter si tu veux, ça fait toujours des hélicos en moins. Ouais, ben... Oh! Un hélicoptère d'abattu, il me reste 10 roquettes. Bah écoute, s'il lui reste des munitions, des roquettes, qu'il peut essayer de défoncer l'infanterie qui vient de débarquer aux hélicoptères, et puis après, si c'est bon pour lui, il rentre se ravitailler. Ok. Du coup, j'ai pas suivi les côtés de Kyuz, ils sont en train de tomber leur truc. Ouais, ça tombe là. Ça tombe sur un gros bunker au centre, là, il y a les deux qui sont tombés plus poil dessus, donc je crois que c'est pas trop mal. Et c'est t'en as qui sont tombés ou pas dans le tas de terre à droite? Non, pas encore. Ouais, qu'il y en a un qui est tombé dans, s'il peut tirer un peu plus à droite du coup. Samuel de Robert, écoutez, si vous reste une dizaine de roquettes, vous pouvez faire une passe et vitrifier ce qui reste et vous pourrez rentrer à la base ensuite pour vous ravitailler. Terminé. Rouge, j'ai pas vu, j'ai fait de la suppresse. On peut rester là quand même. Ouais, bah non, tu vas pas me faire des appuis longue distance sans MG. Bah non, du coup, vous allez servir de d'assaut maintenant. Peut-être refiler au moins mon arme à Oribout, hein. Il aura plus besoin de quoi en tout cas. Ouais, éventuellement. Oribout. Par contre, je veux bien ton arme aussi. Je suis un peu à poil si. Bah, il a plus de balles. Hé hein. Hé, focus devant vous là. Devant vous. Coup de l'autre côté, frère. Ça vient de tirer dans la rue. Okay, bah oui, ça tire dans la rue, il y a un connard qui a pointé le bout de sa tête. Allez, délire rouge, allez, c'est du là. C'est bon, Rudy? Bah, comme j'ai rien qu'un chargeur, je me fais derrière le premier en fait. Ah oui, d'accord. Si, je t'ai donné les. Je les ai mis dans mon backpack, pardon, désolé. Comme ça.
verra ce qu'il reste. Ah, il y a un paquet, de mines de ce côté-ci aussi, on peut pas y attaquer. Ouais, faut pas faire la route, quoi. Y'a pas le choix, en fait. Le seul passage ouvert, alors, c'est la défense. Headshot! Bien joué. Il est où, les snow? Il est là. Okay. Il est là. Ouais, c'est de sniper les têtes que tu vois. Allez, de toute façon, on retourne sur le village, on se fait nous aussi. Les verts, on se bouge. La snow. Il y a encore du monde, du coup? Il y avait un mec allongé dans la... Ok, ok, alors on sécurise rapidement. De toute façon, il faut qu'on traverse le village pour aller à la position après. Donc, J'écoute. Merci, on n'a pas vraiment besoin d'appuyer au sol pour le moment. Par contre, si vous pouviez éventuellement faire des tours de surveillance aérienne au cas où s'il y a des chasseurs ennemis qui nous reviennent dessus, je dirais pas non. À vous, Samuel. Entendu, entendu, Robert. Soyez normalement avisé que je ne dispose d'aucun moyen antiaérien. Mais je monte faire de la surveillance et je vous tiens au courant si je vois quelque chose. Samuel. Correction, si vous n'avez pas de moyen aérien, ne risquez pas, on doit se débrouiller. Terminé. De mortier pour radio. Ouais, je t'écoute. On est prêt pour faire feu sur les bunkers. Vous avez dit qu'il y avait des ennemis. Est-ce qu'on fait des tirs pour essayer de calibrer? On envoie la sauce dessus. On reste en attente. Stand by, je vais voir avec le chef de groupe. Le bunker en avant de la Queen 43. C'est bon, il est trop tard. Je vais sécuriser. Bon, vous m'en mettez Cardoc en état. Allez, on occupe. Il a pris une balle dans la tête. Planquez-vous, ouais, planquez-vous. J'ai bien vu. Avec Q, sont en train de se faire canarder depuis tout à l'heure depuis la colline. Donc si tu peux envoyer un ou deux obus test pour calibrer, je dis pas non. Ça vient, ouais, t'as le gros bunker, enfin la grosse amplification en face de nous. Ok, c'est bon, t'es situé. Bonjour, t'as besoin d'un de soins? Ouais, on va se protéger. On va se protéger. Vous en faites mieux. Ouais. Merci déjà de. Les bleus, vous êtes opérationnels, les bleus? Bah, c'est pas la tête, hein, parce que. Ouais, c'est bien arme. Je suis revenu, Black. Ok. Fais attention parce que ça canarde dans la rue, là. Rouge, bleu, statut. Rouge, c'est bon, Caradoc. Ok, les rouges. C'est bon. Ouais, bah en gros, faut qu'on avance sur la route. De mortier pour radio, on la par la route. Ça part pour un obus. Tout ce que vous voulez pas faire, mais qu'on ait des mines, ça se voit. Bien reçu. Rouge, vous passez en tête sur la route. Les verts, on va y aller. Les snows, on descend et les bleus, vous fermez la marche, ok? Ok. Allez, on est parti. Et si ça tourne au vinaigre, au fumigène et puis on se prend comme un peu. Elle est pas mal, un peu plus à droite. Et tu peux envoyer dessus parce qu'on se fait canarder salement. Ok, bien reçu, je reviens vers toi dans quelques minutes. Si vous avez
On a fini de nettoyer le village, on est à l'opposé que tous. Donc niveau support pour l'instant, ça va pas être possible. D'accord, ça va. Balle ? Ouais, je peux pas. Alors on a un souci. Mortier se fait canarder la gueule depuis des positions défensives, il peut plus tirer. On a quoi ? Le mortier. Il se fait tirer dessus depuis les positions défensives sur la crête et ils peuvent plus tirer. Bah ils se mettent à couvert. Ouais bah c'est ce que j'aurais dit mais... On va y aller. Okay. Bon bah désolé, on n'a pas le choix, faut qu'on passe par la route face au frontal. Donc rouge en tête. Plus de MG donc voilà. Les snow, tu t'occupes des deux mecs sur la tour, les autres arrêtent les squelettes. Les questions s'il vous plaît, ouais, déjà qu'on en a pas beaucoup. Ça va au niveau munitions d'ailleurs tout le monde à part la mitrailleuse qui est morte. Ok. Ouais, au début il a mon arme. On sait pas combien de temps on reste là. Donc vous remontez la route et puis on va nettoyer la crête de tout de suite. Avec Yus, on va partir en assaut frontal sur la crête, on n'a pas trop le choix donc on va essayer de vous soulager un peu mais bon restez planqué. Ah oui, oh, le salaud. Oh. Écoute. J'ai l'impression que je vais pour vous, mais pas besoin d'un soutien aérien. Pour l'instant, on est obligé de mener un assaut de front sur les défenses de la colline à cause d'un champ de mine. Donc soutien aérien, si t'arrives pas à toucher le Raymond-Cœur, de toute façon ça servira pas à grand chose. Donc je te appellerai si on a vraiment besoin que tu clean un coin, mais pour le moment on va essayer de progresser déjà sous le tir. Terminé. Ils sont partis, les rouges, du coup. Ouais, ils sont partis, ouais. Bien sûr, merci. Putain. Bah, laisse-nous. Oui. La priorité, si t'envoies, c'est le mitrailleux. Ouais, je vais me prendre une bastos. Pas trop bien au point. Du mortier, on tire sur la colline, je sais pas si c'est dessus. Ouais. Non, on n'y est pas encore, pas sur le point que tu veux bombarder en tout cas. De toute façon, je suis à poil, donc je sais rien. Il y a des têtes qui dépassent sur la fortification en face, faites gaffe. Tu peux encore en balancer un, je pense que t'as le temps. Il y a pas mal, masse de monde là-dedans, putain. Ouais, pourtant, on a fait dépasser la roquette, hein, mais ça, ouais, ça a rien bien, fait. Je sais bien, et puis sans l'AMG, on casse les couilles, c'est dans les plus l'AMG. Ouais, qu'est-ce que tu veux. Bah, les snow, ils tracent des balles. Les bleus. J'envoie deux hommes sur le... On engage les types qui sont sur la fortification, la grosse fortification qui est face à nous. Bien sûr, et après, tu tires plus parce que... On va lancer la sauce en position. Ok, mais maintenant que c'est fait, faites ce que je demandais. Ça marche. Avec lui, c'est dommage, elles ont tapé un peu trop devant, mais bon, laissons les pour le moment. Laissons les pour le moment parce que on finira bien par les atteindre avant. Chargeur. Ok, je vois moins de tête. Les snow, je te laisse là pour les flinguer au passage, je vais essayer de retrouver les rouges. Il doit me rester 5 balles. De toute façon, je passe dans votre ligne de tir, désolé. Pas de soucis. Pas d'arme. Je sais pas, je vais 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 pas,
Ah, il y a eu un blessé. Non, non, mais ça passe pas loin. Négatif, on est au milieu là, donc non, c'est pas explosif. Bien reçu, Robert, ça va être terminé. On voit pour le champ de mine, je sais pas si c'est un fake, je sais pas si c'est. Enfin. En tout cas, je vois pas de mine qui dépasse. Hein? Je vois aucune mine qui dépasse. Ouais, bon, écoute, on va y aller, on va pas reprendre. Les rouges sont passés, les deux sont en train, ils ont rien. De mortier pour radio, il y a un mec qui s'est rendu au nord-est de notre position, enfin nord-nord-est. Ok, c'est bien sûr, de toute façon on va nettoyer la crête dans toute la longueur, donc on finira bien par tomber dessus. Oh, c'est pas sûr qu'on a une là. Ah bah non, c'est pas un fake. C'est pas un fake? Non, c'est pas un fake, je confirme, j'en ai une plus vue. Faut rester sur le chemin, quoi. Ouais, et encore, plus... là, il y en a une, elle est très proche du chemin, celle-là. Et elle est en marchant. Robert, ici QG, parlez. Vas-y, QG. Ah, oh, putain, pour être proche, elle est proche. Ouais, c'est pour ça. Dans 5 minutes, un hélicoptère de la Royal Navy va se présenter sur l'île pour déposer des troupes pour occuper le secteur et pour vous évacuer. J'ai terminé. Robert, c'est bien reçu. On est en train de finir les toiles des crêtes. On se rendra à l'hélicoptère dès qu'on a fini. Terminé. De mortier pour radio, après avoir entendu la conversation, on va démonter le mortier pour engin. Terminé. Ouais, bien sûr, mais tu pourras pas aller très très loin. Nous, on a été obligé de passer par la par le village et de remonter la route pour éviter les mines. Donc, au pire, attends-nous à proximité du village, on finira bien par redescendre. C'est reçu. Rouge. Blaco, Karadoc, Fada. Parce que là c'est bon, je pense pas qu'ils aient fait un champ de mine de 10 mètres de leur bunker. Et rouge. Eh balle. Ouais. Dans... ouais, environ 4 minutes, il y a un hélico à nous qui va arriver, qui va larguer des troupes et qui va nous évacuer. Donc, vu qu'on a fini... Y a un mec qui s'est rendu. Bah écoute, on finit la crête et puis de toute façon ça m'a l'air globalement bon. C'est bon, c'est bon. Bonjour. Oh
Première mission accomplie, on est actuellement en train de revenir au LHD HMS Wellington. C'est un mode vraiment sympa, donc je me suis dit que je pourrais vous montrer un peu tout ça avant d'enchaîner sur la suite. Je vous reprends après la visite. Il fait beau ici, hein? Non. Bien Atlantique Nord, ça fait envie, hein? Ça rappelle la maison. Allez, tout le monde descend. Ok. Bien, pour se faire soigner. Ouais, t'as les Royal Marines, tu vois. Parcours. Ouais. Pourra. On va bien qu'on sera armé avant de repartir. Hein. Ah! Un bouton pour l'appeler? Ouais, oui, c'est bon, c'est fait. Ascenseur! Il arrive. Aziz! Lumière! Bah, il est drone, c'est en vol dans le ciel. Oui, je vole. Qu'est-ce que tu fous? Ah, mais oui, c'est parce que t'es à côté. Il dit de monter. T'as tué combien d'hommes avec ton arme carabine? Il y est, arrive, allez. Il est mignon, je suis sur l'ascenseur en fait, puisque je l'ai appelé. Bon, et vous attendez ce coup-ci avant de la pièce de bouton? Il en manque un. Oui, c'est pour ça. Non, attends. Y'en a un qui tire la gueule au fond. C'est Black Hawk. Black Hawk qui râle. C'est bon. Pourquoi tu boot Black Hawk? Il aime pas les ascenseurs. J'appuie sur le bouton. Non, parce que je vous aime pas. Oh, logique. Ouais, le... Plaisir partagé. Plaisir partagé. Le plaisir d'offrir. Joie de recevoir. T'as quoi, on passe à quoi, à un moment avant d'aller en briefing ou quoi? Je vais voir avec le chef s'il veut faire le truc dès maintenant, sinon oui. Ok, bah venez vous installer puis on fera le rapprochement après. Notre nouvel objectif est de nous rendre sur un autre petit aérodrome peu défendu et de le tenir. Ça se trouve sur l'île principale, dans le nord-est pour être plus précis. Pour nous faciliter la tâche, vu la distance qui nous sépare de la zone, un hélicoptère nous transporte jusque là-bas de manière assez originale. J'ai un petit souci. Oui. Ah, oui. Effectivement. Bah, en fait, pour moi, j'avais des coups et plus rien fonctionnait. Puis parmi. Je vais bientôt décrocher. Tiens, prêt. Accrochez-vous à vos sièges. Je vais vomir. Je vais au volant, accrochez-vous à la poussette, accrochez-vous à. Je sais pas trop quoi. La chevalier qui est debout carrément depuis le début. Allez vers le bruit de l'hélico qui va se planter dans ma gorge. Il y a un crochet qui va bien casser la gueule. Affirmatif, on est parti, merci pour la balade. Parfait. Par contre, je vous le dis, hein, la zone où on va, c'est vraiment une zone de merde, hein, vu la carte. HRP, je vais modifier un peu le temps parce que j'ai un petit pépin, mais donc voilà. Ah, pas de soucis, on continue d'avancer de toute façon. Je vais ralentir.
tire, là, je vais le flinguer. Attends, attends, tire pas, tire pas. Je vais le flinguer à cette distance, comme ça. Je ne crois pas chier. 200 mètres là. Ouais, un truc comme ça, t'attends tes doucettes, hein, donc bon. Allez, c'est parti pour l'infiltration. Oh. Merde, quand tu veux. Merde. Tu l'as touché, il a acheté une smoke. Ouais. Mais j'avoue, il a eu le temps quand même. Le mec, il avait déjà des coupillés. Oh, t'imagines, le mec, il avait la smoke dans la main, tu sais, et puis en mode, si jamais je me fais attaquer. La gauche, vous avez vu sur la gauche. Ok, vous m'arpâtez ça rapidement, après les retombes sur nous. La S9 avance pas trop, tu vas être dans l'angle de la ZU. La ZU elle est sur la gauche, elle a un angle droit sur nous si on avance trop. Ok, bon les routes, on va pas venir à droite, j'espère que les deux vont se lancer. Oh, c'est bon. C'est bon, ils ont fumé la ZU à la grenade. Ok, bah go. Attention à des jets sur la piste. Il y a peut-être des pilotes. Garçon. Pas en fait. C'est vachement calme, c'est quoi ce bordel? Des camions, casernement, il y a un type dans le la guérite en hauteur. Ah oh, bah c'est pour rouge. C'est pour les bleus. Ah oui, bleu, pardon. Bleu, vous allez sur l'entrée. Attention au casse-mâtre, bon, je vois en passant par les hangars. T'es prêt à la carte? Quand tu veux. Top. Terre calme. Ah c'est bon les personnes. Bleu. Ouais bah j'ai toujours moi. Pilote. Ok les rouges, on vous laisse faire ce hangar là. Bon les pilotes s'ils sont armés, on dit goumélis, ils sont pas armés. On génocide pas tout le monde non plus. Ok, on se déploie dans les baraquements. Vous sécurisez les prisonniers et vous éliminez ceux qui se rendent pas. Ils se rendent, attention, ils se rendent les mecs qui la bouffent. Attention, laisse-moi, ils sortent. Ah oh, putain, ils bloquent la porte. Jamais qu'ils se rendaient. J'ai pas de serflex. J'en ai. Ah, ok. C'est bon, j'ai fait, vas-y, sors-le. Escorté, hop, je le mets juste là. D'où j'ai pas avoir l'interaction sur lui. Quelqu'un avec moi à l'intérieur? Ouais, c'est sûr. Vas-y, c'est parti. C'est bon ici. Ouais. Vas-y. Bien. Dernière.
Oh. C'est bon. Parfait. Il y a un mec qui veut négocier, il dit qu'il connaît toutes les positions. Par contre, on a zappé le gros baraquement là de l'autre côté. Ouais, les routes, c'est un moment de lentir là. Le gros baraquement qu'on a zappé, l'autre côté à gauche. De l'autre côté du mur là, il y a un gros baraquement. Et vous vous en occupez. Les bleus, vous tenez l'entrée, vous occupez de Caradoc, Fadaud et tout. Les verts, tu fais le besoin avec Trim, tu fais le tour s'il y a besoin pour les baisser. Ouais, je vais rappeler. Ouais, j'ai. Toi avec ton équipe, mettez-vous côté entrée, surveille. Les snows, essaye de trouver un point haut et fais un peu la recoupe pour prévenir des arrivées de tout le monde. Alors, qui c'est qui veut négocier? On verra bien. Je vais le descendre. La carte. Ouais. On va rassembler les prisonniers dans les baraquements. Ouais. On va les mettre tous dans le même, je pense. Les snows va se mettre dans la guérite. Les bleus, bon, je sais pas où il est parti, car Bino, mais. Je fais pas ça qu'un arbre loin, en tout cas. Kius, dès que c'est bon pour toi pour le mortier, écoute, j'ai trouvé un petit point safe et puis. Ouais, si tu veux. Tu seras à l'abri, je pense. Eh, hey, planquez-vous. Cachez-vous. Putain, les mecs, ils sont canardés. Ouais, logique. Évidemment, je ne sais pas où sont les roues. Affirmative, s'il vous plaît. Sérieux. Là on a allé choper les mecs qui étaient là-bas. Mais c'est pas les attentions que vous avez demandé, enfin, c'est pas ça le problème. Oh merde, ces mecs là. Écoute. Le bâtiment, on peut pas l'ouvrir le bâtiment là-bas en bois. Hein. On est allé le voir, on est allé voir d'abord. Ah bien reçu, merci, vous avez bien fait le taf parce qu'on avait perdu notre équipe athée, donc vous nous avez sauvé la mise. QG de Hearth Squadron. Mais c'est très bien pour le lancier de l'initiative, mais prévenez. Bon, juste on va mettre le lancier ici. Robert ici, QG, je vous écoute. On fait du bruit quand même avec la bagnole. Je vous ai avisé de la capture de l'aérodrome. On a sécurisé 3 prisonniers, des véhicules ainsi que 6 chasseurs français. Très bien. Hors hangar et dans hangar. A vous, QG. On peut le mettre comme ça. Bien reçu, c'est bien noté. Donc vous continuez votre mission telle que donnée. On a appris malheureusement la perte de notre hélicoptère de la Royal Navy. Il y en a probablement un autre qui viendra peut-être un peu plus tardivement. Collaborez toujours très bien ensemble pour la suite de cette mission. Visiblement, il y a probablement des troupes qui vont arriver vers vous. Que j'ai terminé. Ok. Donc en conséquence, organisez un dispositif de défense cohérent et efficace. Samuel de Robert. Ok, pour information au niveau de notre position défensive, donc on a le groupe AT qui est à l'entrée principale de la base. Au niveau d'un truc avec un drapeau, c'est vraiment au niveau de la route principale je parle. Ok, on a un groupe de support qui va se mettre sur les toits de la maison en U.
avec équipe mortier qui sera là aussi au centre. On a un groupe, groupe de commandement qui va faire des tours un peu au niveau du sud de la base, plus ou moins. Donc voilà, tout ce qui est hors du périmètre de la base, vous pouvez considérer ça comme hostile et tout cramé. Là, on a déjà des engagements apparemment qui viennent depuis la ville. 3 proches des bâtiments, c'est parce qu'il y a des civils dedans, donc Il y a des civils dans la rue, on confirme, donc pas de tir de roquette au niveau de la ville. Vous préfériez pas vous mettre sur l'autre toit, non? Vous voyez moins bien? Et maintenant? Allez, Cornel, tu plantes tout sur 230. Ah, si, il arrive encore. Sautez du toit. Il va appeler l'avion. Ouvrez-vous, avance. Allez, planquez-vous à l'intérieur parce qu'il y a un... Ah, ils l'ont touché, mais ça n'a pas suffi. Le BMP est toujours actif, c'est un BMP. Il faut que je m'éloigne un peu plus pour avoir un meilleur. C'est pour ça que... Ouais, bien reçu, prends ton temps, j'ai vu que tu touchais. On n'est pas pressé. En stand-by, tu peux l'avoir. Il y a encore quelques mecs. Hein. Je disais juste que le blindé était à l'arrêt et qu'il pouvait lui lâcher des missiles dans le cul, mais c'est pas grave, il vient d'en bouger là. Alors par contre, ne lui tire plus dessus parce qu'il est au niveau de l'entrée principale là où il y a l'équipe rouge, donc peut-être pas que ça va aller. Oui. L'avion il Marche pas. Comment trop ça proche. Pas bah il lui a mis deux salles de roquettes mais là, pour l'instant il est un peu trop proche de nous pour qu'il puisse ouais, le fumer. Karatek a déjà cramé son truc quoi. J'ai un Lazenit zéro là, brûlé la roue. Ouais, au pire essaye le pack. Ah, c'est le Samuel de Robert, vous pouvez retenter de faire une passe, à mon avis ça devrait aller. Et quelque part en 250. Ok, sur sa position proche de la ville donc. Posez au centre pour la... Affirmatif, on va lui dessus parce qu'on a plus de moyens anti-char. Bon, juste vous pouvez le dire tout à l'heure Karat, je pense. Ouais, pense également à quelque chose, c'est à gauche que ça ne débute pas des autres montagnes et aller en gare. En vrai, t'es que vous, la carte. Oui. En vrai, là où est le BMP, faut qu'il tente un tir de missile, on va se planquer, mais
C'est prévu. Il s'est assez éloigné, je pense. Essaye de tirer dessus au Blue Pike. C'est prévu, il va arriver. Ok. Je crois qu'il est près de la ruine, en train de s'éloigner, là, je le vois plus. Ouais. Il va vers l'ouest. Et merde. Ça arrive. C'est total. C'est bon, problème réglé. C'est mieux de Robert, problème réglé, bien joué, vous l'avez mis en plein dedans l'équipage à dismount. Bien reçu, il ne me reste que 9 roquettes, souhaitez-vous que j'aille ravitailler ou... Ouais, la fille va rechercher le total, on va se débrouiller avec l'infanterie qui reste. Vous avez beaucoup. C'est quand même un petit paquet hein. C'est un petit paquet mais ils sont réutilisés comme des couillons en 4-5 balles on les règle. Donc Attends. Bah en fait, vous voyez des gros paquets, etc. que c'est la merde, vous dites directement. C'est moi qui l'ai eu celui-là. C'est Blackard, je pense que tu veux aller avec Kara et Freya en fait, côté sud au niveau de la station de service. Comme okay, ça, c'est vraiment bon. C'est la merde, comme j'ai moins de visibilité, si c'est vraiment la merde, tu pourras me communiquer par radio. Et après, le problème, c'est que j'ai pas de vue sur la blindée pour guider les frappes, moi, si je vais à l'autre bout. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Robert, non, bah, reste, c'est que j'ai parlé. Reste, allez-y, QG. Bon, au vu de la situation, du déroulement des opérations, on a réussi à prendre pied sur l'île principale, un petit peu plus au sud. Donc ça se déroule plutôt pas mal. Est-ce que vous avez des charges explosives sur vous et des moyens de destruction par les coups ? Normalement, t'as plus qu'une charge, toi, Black Hawk, non ? Ah, j'ai plus de charge, hein, parce t'as que j'ai charge. Essayé de la poser sur le blindé. Ouais. Elle est par terre, quoi. QG de Robert, on a plus vraiment de charge, on a plus d'AT non plus, on a juste récupéré un RPG, deux RPG 7 sur les forces ennemies. À vous, QG. Très bien, en l'état actuel de la situation, on va pas pouvoir vous apporter la logistique nécessaire et les hommes nécessaires pour pouvoir prendre pied durablement sur cette partie nord-est de l'île. Ce que je vais vous demander en conséquence, ça va être d'attendre jusqu'au petit matin, et au petit matin ou plus tard à 6h00, vous détruisez tout ce que vous pouvez sur l'aérodrome et rendez si possible la piscine opérationnelle, vous rembarquez dans votre bateau pneumatique et vous évacuez pour rejoindre le HMS Wind. Est-ce que c'est reçu par les coups ? Reçu, attends jusqu'à 6h00 puis évacuation et destruction de moyenne. Confirmé QG. Si vous avez vu s'il n'y a pas de mec, retournez-y parce que s'il y a du monde qui s'infiltre. C'est confirmé, QG terminé. Bah de toute façon on retourne à notre ancienne position quoi. Oui. Parce qu'en plus il y avait des mecs qui bougeaient. Ouais c'est pour ça, j'ai demandé à Q's d'envoyer un peu de mort tout à l'heure mais... Je vais revenir vous voir de toute façon. Bon. QG il dit Ouais j'ai pas entendu, vas-y. Pas de réapro, moyen technique limité, tout ça. Donc on tient ici jusqu'à 6h00. En repartant, on dégomme le matériel ennemi si on peut, on essaie d'entrer une opération dans la piste si on peut, on rembarque dans le bateau pneumatique et on se casse. À 6h00. Ça marche à 6h00. Ouais. Très bien, et eh bien reste là pour l'instant. Si effectivement tu vois du blindé, c'est la mer. Si j'ai besoin de te contacter, je passe par Q's et vice versa. Oui. J'ai continué à gérer l'avion, de toute façon je suis mieux ici pour le faire. Ouais ouais, puis bah de toute façon si on a des blindés, le seul moyen qu'on ait je pense c'est se planquer et puis attendre que Tango vienne, parce que nous, si vous avez votre RPG, bah... Ouais, on a récupéré le RPG 7, ouais. Soyez sûr de vos coups. Sachant que j'ai toujours Freya et Carabino qui seront au fond de la piste. Je pense quand même que pour la nuit j'hésite à les rapatrier parce que... Bon allez, du moins les rapprocher parce que on va rien voir sinon ils vont se faire dégommer la gueule. Okay, puis je demanderai à qui vous envoyer des flares au besoin. Ouais, ça va, ça l'amusera. Ouais, ça l'occupe un petit peu. Vas-y, c'est mieux là. Que la dose soit pétée, quoi. Je vois un véhicule qui arrive depuis l'ouest sur la route de type BRDM, on dirait. Je suis un petit peu loin. Est-ce que je regarde ? Oui, affirmatif si vous voulez. Sinon, si c'est un BRDM, on peut le cueillir, mais vous pouvez le choper à la roquette. Un torrent. Zéro lanceur sans munitions. Non, là, j'ai pris le bon. Qu'est-ce que tu me reçois ?
Le bruit véhicule, c'est copain ou pas? Oui, c'est un camion à nous qui se déplace dans le... Tu veux si tu me reçois? Ah, je pense à pouvoir un nom. De toute façon, à 6h00, on est censé évacuer. Il reste moins de 8 minutes. Bon, si j'ai pas de nouvelle radio, de toute façon, on va la quoi que pourra prendre la coupe d'escampette tout seul. Ouais. Bon. Robert de CML. On va évacuer. Écoute. Vous me... En termes d'explosifs, on a quoi? Il doit rester une charge et des roquettes. Une charge et vos roquettes, ok. Si tu peux, mais prends pas de risque avec là. Vous vous repliez sur la zone principale, le bâtiment où on tient pour l'instant. Ensuite, on asmatera tout ce qu'on peut, on mettra les véhicules empâtés sur la piste et puis on fera tout caboum. On a deux T-55 qui arrivent, qui sont à 1 km de notre position. À 1 km? Oui. Ils se rapprochent très vite. Ok, bon, tant qu'on veut les engager, mais je garantis pas le succès immédiat. Espèce de nul. Je sais même pas qui l'a eu en fait. Avec le nombre de cartouches que je mets, clairement, c'est incroyable. Non, mais ça se trouve, je suis même pas obligé de tirer en fait. C'est toi qui l'a eu. Je pense que c'est toi qui l'a eu. Alors, engagé un autre continu de faire route vers vous. Il en a eu un. Il en a eu un, ouais. Ok, on attend le deuxième au besoin. J'ai trouvé un petit RPG moi aussi. Ouais, c'est bien sur Samuel, on entend les explosions d'ici, écoutez, si ça passe pas la roquette, on a plusieurs RPG qui l'attendent au cas où, donc vous embêtez pas trop. T'as plus de daté toi, Cardoc? Ils sont peut-être tous défectueux. Oh, c'est une grenade. T'es une pomme de terre. Là ça arrive encore. T'avais trop vite, tiens. J'ai vu un vieux mec se montrer, il y a eu une animation de lancer. Ah, peut-être qu'il a... Ouf. Le deuxième 55, toujours pas, non? Ah, la roquette c'est compliqué apparemment. Ah, non mais qu'il arrête. Dans ce cas, qu'il se concentre sur l'infanterie, parce qu'il garde des roquettes pour nous couvrir quand nous on devra s'enfuir. Parce ouais, que là, l'infanterie nous aura sur la gueule. Le T-55, Samuel et Robert. On se fait à la télé. Laissez tomber pour le T-55, gardez les roquettes qui vous restent pour nous couvrir quand on va partir dans quelques minutes. D'accord, suivez qu'il ne me reste que 6 roquettes. Ouais, bah va bien falloir les mettre alors. Robert, terminé. Je confirme. Le T-55 est immobilisé. Bah, j'ai rien, parce qu'on va prendre. Ouais, c'est bien su. Ouais, c'est vous avez peut-être dégommé les chenilles. Le T-55 il bouge plus, je pense qu'il a perdu ses chenilles. Ok, dans ce cas, on dégage. Ouais. Allez, on s'en plaît maintenant. Et Clara, ils sont. Petite grenade s'il y en a encore au point. Ouais. Je suis de la terre juste ici quoi. Génial. Oh et puis merde. Tu fais quoi être? Venir à ce moment-là, tiens tes 50. Il aime bien son camion. C'est une tradition tu as les TFD avec les camions. Caradoc, oui. Tu ou ouais, quelqu'un prend ce camion là et tu vas faire un collet serré avec le copain là, vous faites un barrage localement pour bloquer cette putain de piste. Le mortier, vous remballez, on part. Quelqu'un prend ce camion là également et même chose, il le met au milieu et on fait un pâté pour bloquer la piste. Oui, j'y vais. Ok. LAMG, tu restes là-haut pour l'instant. Laisse-nous pareil, vous continuez à rester nos yeux pendant qu'on va
tout le monde. Attention pour les coups de feu. On a plusieurs hostiles au sud de la piste à l'extérieur du périmètre. Il faudrait que tu fasses une dernière passe à la roquette histoire de nous couvrir le temps qu'on dégage. Tu me dis au sud de la piste à l'extérieur du périmètre. Ouais, à fin. Bah, c'est l'avion. Il tire sur un avion qui est armé, donc forcément la roquette elle part. Non, non, il est parti tout droit. Alors la roquette, elle a tiré tout droit. Je vous rappelle qu'il y a un char toujours actif au bout de la piste, un côté ouest, à l'échelle de la piste. Parti ? Comment elle a pu partir tout ? Elle est... Il est toujours actif. Bah au pire, dégomme-le. L'infanterie, on l'a stoppé. Pour l'instant, il bouge pas, mais je sais qu'il est pas détruit. J'ai eu la roquette partout. Ouais, non, rectification. Bah non, ça va, dernière roquette pour nous couvrir dans l'infanterie. On va reprendre le bateau, il y a de l'infanterie qui traîne au niveau de la station essence au sud de la piste, à côté des flammes. Okay. Allez, on s'arrache les enfants là. Ça pètera pas. Ça pètera pas, c'est pas grave. On a plus besoin de toute façon. Apparemment, un deuxième avion dans le secteur, Samuel, donc on a rejoint le bateau. Moi je suis là, Carabino, et là aussi. Ok, ok. Rouge et tout cela, vert et là. Vert et là, les bleus au ribou, il est revenu. Ok, vous embarquez, allez, on embarque. Oh la vache! Oula! C'est pas négatif, Predast. J'essaie de monter. Pourquoi? Qui c'est qui est au volant? Moi, mais. Ok. Ah, d'accord, oui, ok, c'est pour ça que j'ai pas la place. Ah, merci. Allez, c'est bon, on va. Ouais, encore besoin de couverture, Robert. Bon, négatif, on s'arrache. Que quelqu'un me soigne par contre, s'il te plaît. Ouais, ouais, je. T'es pris. Ouais, là je commence à voir. D'accord, je recule de toi. Ok. Ouais, c'est. Allez, go, go, go. Et voilà, mission accomplie avec succès. L'attaque sur l'île de Ramadi s'est bien passée malgré la perte de l'équipe d'assaut face à une ZSU. Ça aurait pu être pire si on n'avait pas eu l'avion et le mortier pour pilonner la zone défensive qui se trouvait sur la colline. Quant au petit aérodrome, même si l'organisation était plus chaotique, on s'en est bien sorti. Et on a quand même eu par contre des petits morts à gauche à droite, par-ci par-là. Donc Rokiwi a fait un excellent boulot en arrière sur cette phase de la mission. Sans lui et vu le nombre de blindés qui nous sont arrivés dessus, on n'aurait pas tenu le choc je pense. Ça conclut la vidéo du jour, merci à vous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour la suite de Ghost of Tsushima, et d'ici là... Portez-vous bien.